Savage. But what does that mean? The original meaning of the word is what comes from the forest. But like living organisms, words also change as they undergo their own evolution. Today, the word is generally used to mean anything that lives outside city boundaries where the structures built by our species are no longer visible. The sauvage is the non-human, the realm of trees and minerals, the house designed and built by the elements and inhabited by animals. But although this worldview of humans as being separate from nature has spread throughout our society, there are pockets where other very different concepts have survived. The Pyrenean mountain folk have named the peaks and imagined petrified men, half humans, and animals in the rock faces. The Pyrenees is a web of life where humans and the wild intertwine. With their contours carved out by herdsmen over millennia, these mountains are a work of art born of necessity. My brother Pierre and I grew up in the middle of this canvas. I wonder, does he feel the same deep connection with the living world that I do? In our family, it's usually me that's the thinker. He is all action. But pitting his body against the immensity of the mountains, with their otherworldly appeal, is too unconventional not to demand deeper questioning. It is in this way, liberated by the excitement of the alpine heights and their beauty, that Pierre's soul breaks free. Chamonix, the shrine of ski mountaineering, is where he had his epiphany. But I think his deepest fulfillment happened in the cradle of his youth, the Pyrenees. His connection with these mountains is organic. And during our journey together, it is by an in-depth exploration of them that he chose to explore this connection. He would not be on his own with this inner quest. Elias and Pierre have known each other for 7 years. Their close friendship has been forged through the joys and fears they experienced together in the mountains. Elias is not from the Pyrenees. He's a nomad. He too has a quest to pursue in his own way. Far from his Parisian birthplace, he has chosen to explore the world from its heights. His deep life force drives him endlessly to wide open spaces far from civilization. I see a common thread between this villager from the Pyrenees and the Parisian turned nomad, a universal force looking for its ultimate expression in complete harmony with nature. This free, spontaneous energy is what I wanted to capture as I followed these wild at heart humans, Pierre and Elias, through the Pyrenees. Bonjour. Ouais, nickel, toi. T'es content? Ouais, je suis content aujourd'hui. On va passer une bonne journée, quoi. Ça va être cool. Ouais. On y va? Allez, go. We're leaving in the dark. Our bodies still asleep after a short night. Pierre and Elias let me go with them to begin their journey. Oh putain, regarde le ciel comme il est beau. Voilà, grand ours juste au-dessus de l'osso, trop classe. Ouais. Regarde Bibou. Ouais. Allez, go. Allez, on est parti. Our aim for today is to get to the Calor de la Forge. It's where the two summits of Pic du Midi d'Osso meet. The locals here affectionately call them Jean-Pierre. The nickname is made up of two shepherd brothers' names. Jean is the smaller of the two peaks, and Pierre, the true summit. To get there, we have to climb in single file, like pilgrims paying homage to a benevolent guardian. During the climb, the meditative nature of repeated gestures opens our minds, letting wilder thoughts escape and saturate our consciousness. That morning, we're aware of the red mountain walls that tower over us. The rising sun warms our bodies, chilled by the wind
as we arrive at the top of the corridor. Our focus is drawn to the mountains, illuminated on the horizon. The morning rays cast chamois silhouettes onto the ridges. The world is waking up, and it seems to be saying good morning to us. And that morning, the Pyrenees and the Oso Peak welcome us. Perched at the top of the corridor, it's time to begin our sensory communion with Oso. In our own way, with our instinct for skiing and the freedom of movement. Bien, ça chauffe les cannes. Hein. Ouais, t'es en bas là. Merci les gars, trop bien. Skiing in these kinds of places is a game. That's why I think we try to keep the remains of our childhood alive. Isn't a child the freest type of human? Isn't that the wildest part of our being? And on our quest for this part of ourselves, isn't Oso the ideal place to start? It's the link between the human world in the realms of the wild. Non mais tu sais quand on était petit, quand on allait à l'école, on avait rien dans le sac. Ouais. Nous quand on travaille, on porte toujours un sac lourd. Mais ouais mon gars. On va pas à l'école, on va au square là, non? Ouais. C'est la récréation. Au jardin, c'est la récré. C'est la récré. C'était cool. Quand même, quand on était petit, on n'avait pas à se soucier des problèmes de la vie, Pierre, tu te souviens? Plus tu vieillis, plus t'as des soucis. Ouais. Y'a beaucoup de soucis, toi. Mais jusqu'à la mort. Et une fois que t'es mort, y'a plus de soucis. Par contre, c'est triste. Y'a le soleil qui se lève, Pierrot. Quoi? C'est beau, t'as vu, y'a le soleil qui se lève. Ah, le palace. Le palace. Yesterday, Jean-Pierre gave us one of the most stunning views. But just like a human, the mountain shows its different faces. Today, I will not be joining them. The normal route up is less than welcoming than that of the day before. The face looks like the end of winter, completely barren. The icy snow, having thawed and refrozen, calls for caution. Freed from the burden of my safety, Pierre and Elias can focus their concentration on their own progress. For my brother, climbing and skiing down Oso from the highest point with Elias is a very distinctive flavor. He's inviting his friend on an encounter with the spirit of the Pyrenees, so well personified by this mountain, brutal and massive, but at the same time open to the human element. Apart from Pierre and Elias, only two other people were on the normal route that morning. C'est le fou. Two familiar faces. Salut, ça va? One of them was Pierre, once again. En forme. Tranquille. Ah, il monte vite, de toute façon. C'est vrai que tu montes vite, hein. Ouais, non. C'est la... Toi, t'es béarnais, toi? Basque. Basque. Ah, c'est la force basque. On a vu ta vidéo de Ansaber. Ah ouais. C'est fou, hein. On s'en est servi pour regarder les conditions. Là, vous avez ça décaille un peu. Ouais, quand même. Ah bon. C'est de l'alcool pour attendre? Ouais, c'est fou. D'ailleurs, si vous passez au refuge, vous pouvez boire un coup tout à l'heure. Ah ouais, ouais. Il reste... Il doit rester à moins que vous partez vite, mais... Parce que nous, enfin, on va prendre du temps, mais... Mais moi, pareil, je vais descendre, parce que moi, je me pose pas au midi. Mais pareil, je reviendrai vous voir sur Lyon, quoi. Je pense que ça va être joli. Ouais, bon, ça va être ski... Ouais. Pas freeride, hein. Non. J'imagine, ouais. Top.
Bon bah allez, on va au sommet. Ouais. Sommet. Bah ouais. Vas-y, c'est nous hein. On est ensemble, ça devient une collective en fait là. C'est la collective. Oso is a sociable mountain. It's a meeting point, bringing locals together from neighboring valleys. We meet up there like we've just left Sunday Mass. We talk together and share news. We share a moment together. Today we're climbing as far as the steeple to gaze at the world stretching out before us. To soak it up, to be at one with it. C'est beau, hein? Ouais, content. T'es content de venir? Oui, je suis content d'être avec Pierre, mon pote. Bien joué. Bien joué, Pierre. Merci. T'as vu, on voit l'ombre du... de l'osso. T'inquiète, elle est bonne la neige. Voilà. Cool. C'est bien comme ça. Je suis stressé, j'ai pas fait de pentraide de la neige. Tranquille, on y va doucement, on se fait plaisir là. C'est bien, la neige elle est bonne. Voilà. Attends, attends. Attends, c'est une zone glacée là. On est passé là. Et après on est revenu à droite là-bas. On voit les traces, on est allé à l'éperon là-bas en bas. Bravo à toi aussi. Merci Benjamin, trop bien. J'ai rien fait, c'est vous. Ouais, mais c'est comme... Non, et c'est... j'ai vu le pic d'Agny du sommet. Ouais. J'ai vu le pic d'Agny. Belle pyramide, comme ça. Chez Pierre et Benjamin. Là, arrête. Mais ça reste un moment, non? On est descendu pile au bon moment, je pense. Ouais. Ouais. Ouais, la neige, c'était juste ce qu'il fallait tout de haut en bas. La prochaine fois, on ira... Si c'est un peu en meilleure condition, on ira ensemble la prochaine fois. Bienvenue. On ira avec Paul aussi, mon petit frère. Ouais. On fera ensemble. Like many legends of the Pyrenees, Oso's story is one of shepherds. It was by these country folk that the connection between the mountains and humans was woven. In the 18th century, they also acted as the first guides for educated people from afar, attracted by the most hard-to-reach peaks. Shepherds also played a part in the creation of Pyreneeism, an emotional and sporting approach to these mountains. Today, some of the local people in the valleys have taken up this philosophy and continue to give it life. C'est ça? C'est JP! Ça tu connais? Tu connais pas? C'est Sacha. C'est quoi Sacha? Il a grimpé le pilier, les prongs Walker là. Ça c'est la pointe Walker. Avec les prongs Cassin, pointe Wimper.
Tu, en fait, tu lis connaissance et tu demandes aux gens s'il y a un endroit pour dormir. Et souvent, ils te disent, ouais, bah, mon jardin, ou derrière l'église, ou chez les flics, ou tu vois, il y a toujours un plan, ouais. Ouais. Bon, après, j'ai fait pas mal aussi d'auberges de jeunesse, de trucs de voyageurs, là. Et t'avais que ça comme. Non, j'avais ça pour. T'avais des trucs de côté ? Non, j'avais juste deux sacoches devant, là. Ouais. En plus de ça. Et là-dedans, je mettais la tente, le duvet, tapis de sol. Mountaineering guide Remy Tivelle is a pioneer of several legendary achievements on the mountain range. These place him in a long line of Pyrenees history makers. His wild side has been revealed to him on the Pyrenees summits. These peaks were easy for him to reach as a teenager, and they paved the way for his path in life. C'est très classique, hein. Moi j'ai beaucoup d'attachement aux cascades de Gavarnie, aux parois nord, aux parois nord du Vignemale, façon du Vignemale. Et après à l'Osso, parce que l'Osso c'est à côté de chez moi. Et l'été, j'ai l'impression, pareil, je suis tout le temps à l'Osso. L'Osso, t'as l'impression que t'as une. Tu disais que c'est là où t'as un peu découvert le truc. Est-ce que c'est un sommet particulier, enfin, là, parmi tous ces endroits-là, est-ce que... Ben oui, par exemple, c'est un sommet à l'âge de Martin, j'allais bivouaquer au premier de l'an, là-haut, tout seul. Toi, après, t'es attaché, quoi. Enfin, puis t'as grandi au pied, quoi. Cette montagne, elle est emblématique, quand même. Elle a une tronche, quand même, t'as envie d'aller en haut, ouais. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est le seul endroit de ma vie où je suis à fond, où je vibre vraiment. Je suis à fond, je suis moi, quoi. Je suis complètement moi. For Remy, this self-realization is a powerful force. Since this revelation as a young man, he has constantly strived to find this vital force on his journey, both on far-flung landscapes and in the Pyrenees. Et le Vignemale, pour toi, peut-être tu dis qu'il y a passé beaucoup de temps. Bah, c'est quand même la face des Pyrénées, quoi. C'est la face vraiment alpine, quoi. C'est quand même le mur, quoi, qui fait quand même 800, 900 mètres. Au Vignemale, c'est une dimension, quand tu pars dans la paroi, tu t'engages pour de vrai, parce que c'est des voies où bah, tu es au cœur du pyrénéisme. C'est un jeu, tu joues avec le milieu, avec la journée qu'il y a ce jour-là, avec les gens qu'il y a ce jour-là. C'est l'endroit où, voilà, où t'es toi comme t'es, quoi. De toute façon, tu peux pas tricher. Là, tu fais du sauvage, ouais. In this homecoming for Pierre, it would have been inconceivable not to return to this sanctuary in the Pyrenees. Vignemale's beauty and its place in history of the Pyrenees thinking make it a shared moment for mountaineers from the Pyrenees. So it was an obvious choice today to bring along Victor de la Rue, one of my brother's best friends since his teen years, and himself a Pyrenean. The heart of Pyreneeism, as Remy says. This expression suits the Collot de Goub, dominated by two imposing limestone pillars. It's almost an invisible crease in the mass of rock. Entering means almost disappearing into the mountain to explore its bowels. Ça va, Yann ? J'ai une vache chier ! Couleur de gobe, c'est parti ! Il est en dessous de moi. J'ai mis un frein là-bas. Oh, c'est carré ici, mon gars. C'est raide. Moi, je vais derrière le rocher, je me chausse là-bas, moi. Non, le chauffage, là, c'est technique. Yes, mec. Bonne terre. Peut-être trouver une solution avant. Ouais, je me dis, c'est plutôt d'aller chercher en bas. Si on pose un relais, là, il y a une bonne fissure pour un universel. Ça bricole. Ça bouge pas ? Tu checkes bien, après je vais devoir me pendre. On sent déjà beaucoup de mieux. La bonne ambiance.
Pierre, attention. Attention, Elias. Ça, c'est du sport, ce truc, hein. La glace, elle est béton. Surveille en haut, tu sens. Lève la tête pour surveiller. Continue, très souvent. Donc là, je traverse, si c'est là-bas. Attention, on marche, hein. Voilà, tu fais bien gaffe. Tu prends bien tes tiolets. Oh, mec. Youhou. C'est raide, hein. Ah ouais, c'est raide. C'est raide, hein, c'est impressionnant, ça. C'est le murder ici. Putain, les gars. Waouh. Encounters with the spirit of the wild are not easily given. To explore places that are wild and brutal is to accept the risk of your own vulnerability. Being aware of this is to grasp the transitory, precious nature of life itself. This is the mental state necessary to reach fulfillment and symbiosis with the world. Là, regardez-vous, on traverse et tu traverses en même temps que moi à ton niveau, tu plantes bien les pointes. Mon niveau là? Ouais, tu traverses comme moi, mais dans, tu restes dans le dessous de moi. Tu plantes bien tes pointes, hein. Baisse tes talons, baisse. Baisse tes talons vers le bas. Les lève pas. From the outside, risk can sometimes seem like a foreign idea to these explorers' minds. But in accompanying them, it becomes clear that these apparent hotheads are actually as calculated and cool as the white world they move through. Awareness of their vulnerability and the inherent risk of the human condition is ever present for them, even in these most inaccessible places. The dangers of these summits demand a surgeon-like rigor and precision from these mountaineers. Every maneuver is critical. Their companion's life and their own depend on every choice and movement. They have to know how to read the mountain, grasp at what the wind, snow, and sun are saying, and act accordingly. Ski mountaineering is a kind of immersion. It is to be at one with the elements, and to evolve with them, to pair technique with humility while staying cognizant of their place. Perhaps it's one of the things wild places teach us, to look for balance, listen to the elements, and evolve without ever imagining we could control them. Rather, we must adapt and follow the path the world offers us in which to immerse and express ourselves. Listening to the world is vital for wilderness explorers. Out there, their link with the elements is clear. Conversely, in our modern and artificialized societies, the Earth's messages have been stifled. Today, this widespread deafness is putting the living world as a whole at risk, and us with it. Learning to communicate with the natural world is critical for our future. The Pyrenees National Park, in its own way, has tried to restore this language for over 50 years. La montagne, c'est un endroit qui est très prisé, qui est de plus en plus utilisé par les hommes. Et du coup, ça fait beaucoup de fréquentation et il faut que nous, on arrive à canaliser ces personnes et à essayer de leur faire comprendre pourquoi il ne faut pas qu'ils aillent dans des endroits où ils peuvent nuire à la faune qui est existante ici, quoi, et qui est très patrimoniale. Et donc, le fait de traverser un territoire
Comme ici en bas, là, il y a une zone de lisière de forêt qu'on a mis en protection, qui s'appelle la zone de quiétude. Et donc, il ne faut pas que les gens la traversent, parce que si aujourd'hui, il y a une personne qui traverse, demain une autre, et dans la journée encore d'autres, l'animal il va être déplacé à plusieurs reprises, et il va se fatiguer, il va être épuisé. Et on peut arriver, parfois, à ce qu'il meure, quoi, des causes du dérangement humain, quoi. Le skieur, il vient ici, il va aller faire les couloirs, les montagnes, les cols et tout, il fait un raid à ski. Quelle attitude il doit adopter pour être avoir le moins d'impact sur la faune? Il faut surtout rester dans les zones enneigées, éviter les croupes dégarnies, les crêtes sans neige. Parce qu'en fait, les animaux et même les mammifères, ils vont aller sur ces zones en premier pour rechercher leur nourriture. Donc le skieur, il faut qu'il reste dans la neige, quoi. Ok. Voilà. C'est quand même une vaste question, la cohabitation entre nos activités. Ah ouais, ça c'est sûr. Il y a des gens qui voudraient mettre toute la nature sous cloche. Aussi. Et en même temps, ça marche pas non plus. Ben non, mais ouais, c'est compliqué à arriver à trouver un équilibre, quoi. C'est un peu notre rôle aussi. Et tu sais que maintenant, nous les alpinistes, on est une espèce protégée. Et l'alpinisme a été classé depuis l'année dernière au patrimoine mondial immatériel. Ouais, Il classe tout et n'importe quoi. Non, mais c'est vrai, c'est des valeurs, c'est une culture. Aware of the vulnerability of these mountains, it falls to us, their children, to interact with them with respect. For Pierre and me, our valley offered a taste of freedom and the chance to learn about ourselves through experience and play. Our childhood places were the foundation of our humanity. Our responsibility is to keep this kinship alive for the next generations, so they can appreciate and care for these places. You just can't buy that. On our high altitude journeys, we have seen that even the mountains could disappear. On est bien là. Ouais, on est bien. C'est bien. On a trouvé de la bonne neige. Avant d'en jouer. Ouais. Very soon, the Pyrenees of our youth will be a mere memory. With this future on the horizon, skiing these white summits has already become a nostalgic act. It is also an act of resistance. As long as we can, we will continue to enjoy this mournful dance. Because as we dance with the world, it becomes the very life force that endures. Petit lever de soleil avec Elias à Cagorjon. Pierre Ourtic à Cagorjon. C'est beau là. Hein, Gorjon? Hein, que c'est classe, Gorjon? Bien, Gorjon. Carry on exploring these mountains,
as we ride them with our friends and loved ones. Because life is expressed through sharing. The universal spirit of the world is demonstrated through our shared joy. We will carry on together to see in one another our shared being. And by seeing others in ourselves, feel ourselves living. Allez, mon gorgeon, on y va! Bien joué, Bibou, trop bien. Bien joué, present, free of our own images, fully conscious of being in the world. We will carry on living through skiing until we can't do it any longer. And even then, we will continue to go to these places to let the wild way of life pass through us. And we'll feel part of the world, and so always able to love it.